buenos días. Yo me presento. Me llamo Bu Marc Nazaire, llamado por señor Fuego, profesor en Liceo de la Revolución, profesor de idioma español. Usted sabe lo que está pasando en el mundo. El mundo está en crisis sanitaria. Primeramente, tenemos que respetar las medidas. El uso del barbijo, lavar las manos con el jabón hidroalcohólico, respetar la distanciación física, toser en hueco del codo. Gracias. Aquí tenemos el asunto de hoy, nuestra clase, nivel terminal A, asignatura, español, componente, conjugación, título, empleo y formación del imperfecto del subjuntivo. Entonces, al final de esa lección, los alumnos de la TEA deben ser capaces de conjugar más o menos a 70 o 75% los verbos al subjuntivo presente. Bien. Vamos a pasar primeramente en la formación del subjuntivo. Vamos a pasar primeramente en la formation del subjuntivo. Le subjonctif est parfait, est conjugué à partir de la troisième personne du pluriel passé simple. Et ce qui est dessin en espagnol para conjugar un verbo al subjuntivo imperfecto, tenemos que saber conjugar el verbo al pretérito indefinido, a la tercera persona del plural. Le subjuntif imparfait a deux formes. La première forme, c'est en ra, et la deuxième, c'est en se. Mais les deux formes sont identiques. Mira qui bien. El verbo hablar. Voy a conjugar este verbo al imperfecto del subjuntivo. Pero primeramente tengo que conocer conjugar este verbo al pretérito indefinido. Veut dire le passé simple. Él, usted, nosotros, vosotros, ellos, o ustedes. Parce que c'est à partir de la troisième personne du passé simple pluriel qui va donner naissance.
Ça va donner naissance à son tibo imperfecto. El verbe habla yo. Hablé. Tu. Hablaste. Él. Habló. Nosotros. Hablamos. Vosotros. Hablasteis. Ellos. Hablaron. Suivez bien cette formule. Ellos hablaron. Ellos hablaron. Ce qui est important ici, c'est la troisième personne du pluriel, passé simple, qui va donner naissance à deux formes. Suivez comment le prof a fait. Je passe maintenant. Imperfecto. Él, nosotros, vosotros, ellos. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais reproduire pour mieux comprendre la troisième personne. Je vais tout reproduire. Suivez bien. Hablaron. 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 Ici là, le prof n'a pas opéré de miracle. No hay milagro aquí. Je vais maintenant éliminer les ronds. J'élimine les ronds de chaque personne. Suivez bien. J'élimine les ronds Voilà, je viens d'éliminer les ronds. Au préalable, je disais ceci. La première forme, c'est en ra. La première forme, c'est en ra. La première forme, c'est en ra. Donc, j'élimine les ronds en remplaçant par ra. 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 Et ra. Je fais recours. Je fais recours au pronom sujet. Bon, je vais agrandir l'écriture. Voilà, je fais recours au pronom sujet. La première personne, rien, RAS. La seconde personne, elle singular, tego que añadir la S. La tercera, la primera persona del plural, la primera cosa tengo que añadir el acento. Et je mets le mos. La deuxième personne, is et la. Voilà la première forme qui se termine en ra. «
Yo hablara. Tu hablaras. Él hablara. Nosotros hablaramos. Vosotros hablarais. Ellos hablara. Je vais maintenant passer à la deuxième forme qui se termine en se. Je reproduis. Je commence pour mieux comprendre. C'était à hablar. 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 Je vais maintenant éliminer les ronds. En remplaçant par ce. Je fais recours au pronom sujet. La première personne, RAS, rien à signaler. La deuxième personne, S. La troisième personne du singulier, rien. La première personne du pluriel, je mets l'accent grammatical, hablasemos, hablaseis. Ablasen. Voilà les deux formes. Mais attention, les deux formes sont identiques. Les deux formes sont identiques. Là, j'avais le verbe qui se termine en AR, première conjugaison. Je vais maintenant au verbe de la deuxième conjugaison, veut dire deuxième groupe, et troisième groupe. Je mets le verbe comer. Le verbe comer. Et tous ces verbes, le verbe hablar, le verbe comer, c'est des verbes réguliers. Je suis encore avec les verbes réguliers. Donc, je peux dire un verbe régulier. Mais qu'est-ce que c'est d'abord un verbe régulier? Un verbe régulier est un verbe auquel la voile du radical ne change pas lorsqu'on le conjugue. Si vous avez senti le verbe hablar, le verbe comer. Donc là, je peux même mettre verbe régulier. Verbe les verbes réguliers. Le verbe comer. Je vais d'abord connaître la troisième personne du pluriel passé simple. Au lieu de conjuguer directement, je mets troisième personne. Passé simple. Ça sera comieron. Ellos comieron. C'est à partir de là, là où ça va maintenant donner naissance
Au subjonctif est parfait. Des deux formes. Regardez, même formule. Je passe directement. Yo, tu, él, nosotros, vosotros, ellos. Comieron. J'écris d'abord le passé simple. Comieron. 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 Ça, c'est la première forme qui se termine en ra. J'élimine les rangs. Je remplace par ra. Voilà la première forme. Je vais directement au pronom sujet. La première personne, il n'y a rien. Deuxième, S. La troisième, rien. La première personne du pluriel, nous devons d'abord respecter l'accent grammatical. Et après, comiéramos, comiérais, comiéra. Attention pour les verbes qui se terminent. En ER, IR, obligatoire, il y a une diphtongaison. Vous devez respecter ça et là, la diphtongaison. Veut dire la rencontre de deux voyelles. La voyelle forte et la voyelle faible pour donner le son de l'accent tonique. Faites extrêmement attention ici. Et nous passons directement à la deuxième forme. Mais les deux formes sont identiques. Comienze. 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 Comier. Semos. Comier. Seis. Comier. Sen. Ça, elle a les deux formes. Ça, c'est le verbe de la deuxième conjugaison. Il nous manque maintenant le verbe de la troisième conjugaison. Troisième conjugaison, c'est des verbes qui se terminent en IR. Troisième conjugaison. Nous avons le verbe bibir. Bibir, c'est le verbe vivre ou le verbe habiter.
bibir, dans le verbe vivre, ou le verbe habiter, je passe la troisième personne du pluriel passé simple. Passé simple. Ça sera bibieron. Bibieron. Voilà ce que je vous disais pour les verbes de la deuxième et troisième conjugaison. Il y a une diphtongaison. Aïe un diphtongo, tenez moi respecta el diphtongo. Entonces vamos a conjugar el verbo vivir al imperfecto del subjuntivo. Je peux effacer un de l'autre côté. Voilà. Le verbe bibir c'est le verbe vivre ou habiter. La troisième personne du pluriel passé simple. Ellos vivieron. Ellos vivieron. Ellos vivieron. Je passe imperfecto la première forme. La première forme. En ra. Nous allons commencer en ra. You. Tu. Il. Nosotros. Vosotros. Ellos. Yo bi biera. Tu bi bieras. El bi biera. Nosotros bi bieramos. Ellos vosotros bi bierais. Ellos bi bira. Voilà maintenant pour la deuxième forme. À la place de ra, vous allez maintenant remplacer par ce. Nous allons maintenant passer
à la forme irrégulière. Ce qu'on a vu là, c'était la forme régulière. Nous allons maintenant passer à la forme irrégulière. Déjà, la forme irrégulière, le mot irrégulier nous trahit. C'est qu'il y aura changement. Étant donné que l'imparfait du subjonctif se forme à partir de la troisième personne du pluriel passé simple. Si cette forme est irrégulière, on doit retrouver cette irrégularité à toute personne de l'imparfait du subjonctif. Ejemplo. Dos puntos. Ejemplo. La forme irrégulière. Ejemplo. Nous allons donner un exemple. Ejemplo, do punto. Nous avons le verbe décir. C'est un verbe irrégulier. En français, c'est le verbe dire. La troisième personne du passé simple du verbe décir, eios, troisième personne du pluriel passé simple. Eios. Dijeron. Eios dijeron. Eios dijeron. C'est à partir de là, là où ça va maintenant donner naissance aux deux formes de l'imparfait du subjonctif. La même formule. Tout, à tout, il faut toujours mettre l'accent. El, nosotros, vosotros, ellos. Je vais tout reproduire. La troisième personne du pluriel passé simple. Dijeron. Attendez. Dijeron. Dijeron.
dijeron Je vais éliminer mes rangs. J'élimine les rangs. Je vais remplacer par Ra. Je fais recours au pronom. La première personne, rien. Deuxième, S. La troisième, rien. Et ici, nosotros dijéramos. Dijerais, dijeran. Ça est là. Je vais maintenant passer à la deuxième forme. Première forme, c'est en ra. Et la deuxième, c'est en se. Ça est là. Ça est là. La deuxième forme. Je vais maintenant mettre les verbes, quelques verbes irréguliers, sous forme de tableau pour mieux comprendre. Permettez-moi, je vais effacer ici. Je vais d'abord effacer ici. Je vais maintenant faire sous forme de tableau. Voilà, maintenant je vais mettre un peu quelques verbes irréguliers, et on va les conjuguer à deux formes, mais je vais faire maintenant sous forme de tableau pour ramener les candidats à la raison. Yo, tu, il, usted, nosotros, vosotros, ellos, ustedes. Avec la règle, c'est mieux.
Los candidatos tienen que mirar bien lo que el profesor está haciendo. Si estaba comiendo, deja de comer. Lo más importante es lo que estamos haciendo aquí. Bueno, aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco verbos irregulares. Porque estamos detrás del tiempo. Tenemos el verbo. Hace falta aquí. Mira bien, yo voy a poner el verbo tener, saber, haber. Tener, el verbo saber, poner. Hacer, bueno, el verbo decir, el verbo querer. Aquí tenemos cinco verbos. Entonces, para conjugar yo, a la tercera persona del plural, pretérito indefinido, el verbo tener, ellos tuvieron. Ellos tuvieron. Aquí, tuvieron, entre paréntesis. Tuvieron. Assez simple. Troisième personne. Quel est le bois à faire? Yo. Tout bière. Tout. Tout bière. Et. Tuviera. Nosotros tuviéramos. Vosotros tuvierais. Ellos tuvieran. Voilà. Au lieu de passer directement à la deuxième forme, directement, je remplace ici par les « ce ». Tu biaises. Tu biaises.
Tout biais, c'est tout biais. Semos, tout biais. Seis, et à qui tout biais, sen. Le verbe saber. Troisième personne du pluriel, passé simple, ça sera soupiron. Soupiron. Ce que je mets ici, c'est le passé simple pour donner l'idée. Là, c'est le passé simple. Ce que je mets entre parenthèses pour avoir l'idée. Soupiro perroque, no confunde et soit qui soupiro. Entonces yo soupira. Tu soupieras. Él soupira. Nosotros soupieramos. Vosotros soupierais. Ellos soupieran. La deuxième forme se. Et là, nous passons le verbe poner. Passé simple. Poussiéron. Et je passe. Yo poussiéra. Tout. Pusieras. Él pusiera. Nosotros pusieramos. Vosotros pusierais. Ellos pusieran. Deuxième forme, je passe le verbe hacer, troisième personne. Troisième personne, passé simple, ça sera ellos hicieron. Yo hiciera. Tú hicieras. Él hiciera. Nosotros hiciéramos. Vosotros hicierais. Ellos hicieran. Deuxième forme, ce. Thank you.
le verbe querer. Et après, on va tout rendre en français, ces verbes-là. Le verbe querer, passé simple, troisième personne, ellos quisieron. Yo quisiera. Tú quisieras. Él quisiera. Nosotros quisiéramos. Vosotros quisierais. Si raïs, ellos qui sierran. Passe à la deuxième forme. Voilà. La forme irrégulière. Je vais quand même les rendre en français. Voy a traducir. Tener en français es el verbo avoir. Saber en français es el verbo savoir. Poner en français es el verbo mettre. Hacer en français est le verbe faire. Querer, c'est le verbe vouloir. Voilà ici là. Nous avons la forme irrégulière. On avait d'abord vu la forme régulière. Et nous avons maintenant vu la forme irrégulière. Maintenant, nous allons maintenant passer à l'emploi, el empleo del subjuntivo imperfecto. Se emplea para expresar el deseo. El subjuntivo se emplea para expresar el deseo. Veut dire pour exprimer l'envie. Je vais vous donner un exemple. Yo voy a borrar aquí rápidamente porque estamos detrás del tiempo. El empleo. El empleo. Se emplea para expresar el deseo. C'est pour exprimer l'envie. Ejemplo. Ejemplo, ¿quién supiera cantar? ¿Quién supiera cantar? Nous allons maintenant rendre ça en français pour voir. Si vraiment ça exprime l'envie. Ah, si j'avais, si je savais chanter.
Voilà. Ah, si je savais chanter, qu'un soupir à cantar. Bien, on peut aussi dire dans la subordonnée conditionnelle, il exprime des hypothèses improbables ou impossibles. Nous allons maintenant passer par des hypothèses improbables ou impossibles. Exemple. Ejemplo, dos puntos. Si tuviera mucho dinero, me compraría un avión privado. Les hypothèses improbables ou impossibles. Si tuviera. Si tuviera mucho. Dinero. Si tuviera mucho dinero, me compraría. Un avión. Privado. Si j'avais beaucoup d'argent, je m'achèterais un avion privé. Et ce qui nous est facile. Si j'avais beaucoup d'argent, si j'avais beaucoup d'argent, je m'achèterais un avion privé aquí tenemos todos hemos terminado nuestra clase entonces vamos a pasar a la tarea. ¿A qui está la tarea? La tarea, ¿a qui está? ¿A qui está la tarea? La tarea dice así. No confunde la tarea con la pregunta escrita. No confunde la tarea con la pregunta escrita. Tarea veut dire tâche à faire à la maison. Devoir à faire à la maison. Conjugar los verbos siguientes al imperfecto del subjuntivo. Aquí tenemos el verbo acatar. Acatar en francés significa obéir. Aquí tenemos el verbo salir, en francés, c'est sortir. Y aquí el verbo acabar, c'est le verbe achever. Ça, c'est l'exercice numéro 1, 2. Nos dice así,
conjugar los verbos entre paréntesis en tiempo que conviene. Aquí nosotros tenemos los verbos entre paréntesis. Son estos verbos que nosotros tenemos que conjugar. Pero dando cuenta de nuestra clase de hoy. Aquí nosotros tenemos yo quise que tú venir mañana. Usted deseaba que ellos ir a la iglesia. Le rogué que lo llevara a casa. Si tener dinero, me compraría un coche. Habla como si ser F. Esa tarea, usted tiene que resolverlo juntos. A la próxima vez, nosotros vamos a ver la clase sobre la concordancia del tiempo. Bueno, hasta luego, nos veremos a la próxima vez.